Bonjour et bienvenue dans ce débriefing des coulisses du raid. Aujourd'hui c'était journée VTT pour les filles, donc elles ont fait un peu plus de 40 km dans un super cadre. Vraiment, c'était vraiment super. Ça traversait donc la cambrousse cambodgienne. Vraiment, c'était très rural et très authentique. Donc c'était vraiment, 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 vraiment un très beau parcours. Pas de montée, donc très roulant, donc voilà, pas trop de difficultés à part la distance. Et ouais, ça s'est super bien passé pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire à ce propos? Nous, de notre côté, on a fait, comme pour la course à pied, on était situé à différents checkpoints. Donc moi, j'étais plus vers un checkpoint vers la fin, mais c'était pas réellement un checkpoint parce qu'en fait, c'était juste pour pas que les filles se perdent. J'étais dans un point stratégique parce que ça portait à confusion. Et c'était vraiment, vraiment cool parce que les filles étaient super, super contentes. Moi, j'étais 5 km avant la fin. Donc, et à chaque fois que les filles passaient, le smile de ouf, vraiment toutes super contentes. Donc, ça fait vraiment plaisir à voir. Et après, on a fait pas mal de manutention. On a dû ranger tous les vélos dans les conteneurs. Donc, on les a rangés pour devoir les ressortir dans quelques jours pour une autre épreuve VTT. Donc voilà. Donc, c'était pas rangé définitif parce que quand on les range définitivement, il faut les ranger un peu plus, on va dire, un peu mieux pour que tous ces vélos retournent en France dans de bonnes conditions. Donc voilà, mais ça a quand même pris pas mal de temps. C'était un peu éprouvant, surtout qu'on était dans les conteneurs et il faisait super chaud. Je suis resté peut-être une heure et quart dans les conteneurs à ranger vélo et j'étais en nage total. Et après, j'ai beaucoup bu. Mais c'était vraiment, vraiment éprouvant, vraiment fatigant. Et donc oui, donc j'ai commencé le début de la journée en suivant, en partant avant les filles en fait, en scooter. Donc j'ai fait tout le parcours en scooter. Donc c'est là que je me suis aperçu que les paysages étaient vraiment magnifiques. C'était long en plus hein, pour faire du coup à peu près 35 km. C'était long parce que comme c'était vraiment les cailloux, il y avait du sable, c'était long, mais c'était vraiment chouette. Et c'était vraiment top. En plus j'avais la radio, alors j'écoutais tout ce qui se passait, donc c'était vraiment 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 super. J'étais là avec mon petit scooter tout seul dans la nature. Je traversais des villages, c'était vraiment magnifique. De toute façon, je vais vous montrer les images tout de suite. Et là, c'était vraiment. Je suis vraiment 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 content. Il y a deux trois trucs que je voulais dire. Oui, donc les filles, elles étaient super super à fond, donc ça fait vraiment plaisir. Et le staff était vraiment l'équipe, voilà, tout comme d'hab, au taquet, toujours à fond, toujours motivé, et ça fait vraiment plaisir aussi. Quand je suis sorti du conteneur en nage, limite en train de mourir, et tout le monde m'a demandé si j'avais bu. Enfin, tout le monde, vraiment tout le monde prend soin de l'un de l'autre, tout le monde a un regard un peu paternel ou fraternel, je sais pas, mais tout le monde essaye un peu de se couconner. C'est vraiment bien quand on voulait absolument me faire sortir du conteneur parce que j'étais resté longtemps, et ce qui est logique, mais moi j'ai voulu, bon, je voulais pas, mais c'est trop bien qu'on pense comme ça, qu'on se dise ah, vas-y, sors, t'es resté longtemps. Enfin, c'est logique, tu me diras, mais ça fait plaisir. Et donc voilà pour cette journée, c'était vraiment vraiment cool.
vraiment le top parce qu'à la fin, on est tous rentrés ensemble en scooter et en quad pour Gilles et Jean-Louis. Et donc c'était la meute en fait, c'était le chef de meute avec toute sa meute autour. Et c'était vraiment chouette, ça, vraiment, on avait la route pour nous et on était vraiment. Ce sentiment de liberté en fait, c'était vraiment cool quoi. Ce sentiment en fait d'appartenir à un groupe, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti et c'était vraiment top. Donc là, donc je vous laisse sur ces quelques images. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, voilà, c'était vraiment super et voilà, je suis trop trop content d'être là, vraiment. Tellement de gratitude et donc voilà, donc on se retrouve demain. Demain c'est une journée un peu spéciale, c'est une sorte de course d'orientation dans les temples d'Angkor, donc là aussi ça va être plutôt pas mal. Il y a quelques énigmes et tout, donc ça va être cool. Et puis voilà quoi, vous verrez ça dans la prochaine vidéo demain 21h comme d'hab. Donc abonnez-vous à la chaîne HDP TV si ce n'est pas encore déjà fait pour suivre la suite des aventures, et on se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse sur ces quelques images, très belles images qu'on a fait, que j'ai faites aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je suis toujours fatigué, mais bon, c'est pas grave. Bonne soirée, et je vous souhaite une bonne nuit. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!